Jusqu'ici, nous avons vu comment créer un site Internet. Nous avons vu comment créer des pages, des menus, ajouter des images, ajouter des vidéos. Nous avons vu quelques éléments de style, à savoir le padding, les marges internes, les marges externes, comment rajouter des couleurs, comment rajouter, personnaliser le style de nos tests. On a vu pas mal de choses et surtout, nous avons vu comment utiliser des plugins pour pouvoir réaliser mettre des fonctionnalités un peu plus avancées dans notre site Internet, à savoir les formulaires. Nous avons vu le plugin WP Forms qui nous permettait de créer des formulaires. Et concernant les blogs, nous avons vu d'autres plugins qui nous permettaient d'avoir un blog un peu plus évolué. Donc jusqu'ici, nous avons pu créer un site Internet gratuitement avec des outils gratuits. Mais ce qu'on peut remarquer avec ça, c'est la difficulté de construire un site avec autant de plugins. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura besoin d'une fonctionnalité avancée, il va falloir aller télécharger un plugin, l'installer, le configurer. Et jusqu'à là, le plugin n'offre même pas toutes les fonctionnalités parce que si on veut utiliser les fonctionnalités avancées de ce plugin, il va falloir qu'on paye pour ces fonctionnalités avancées-là. Donc, le fait d'aller chercher autant de plugins, ça a un gros impact sur la lourdeur d'exécution de notre site Internet. Notre site Internet risque d'être trop lent. Et aussi, on doit aussi gérer plein de plugins. On doit gérer X plugins, Y plugins. À chaque fois qu'il y a des mises à jour de WordPress, il va falloir qu'on aille gérer aussi les mises à jour de tous ces plugins-là. Donc, dans cette vidéo, on va vous parler d'un élément, comment est-ce qu'on peut améliorer notre site Internet. Premièrement, travailler rapidement, de manière efficace et de créer un site web vraiment, vraiment professionnel en allant chercher un seul plugin payant. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Elementor, qui est l'un des plugins les plus utilisés en ce moment sur le marché, qui offre presque toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin pour démarrer un site Internet professionnel et prêt à être utilisé. Alors, sans plus tarder, on a vu durant les chapitres précédents déjà le plugin Elementor. Donc, si je vais au niveau de Elementor ici, nous avons vu ce plugin-là et on a vu ce qu'il offrait de manière gratuite. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'installer la version, c'est d'activer la version payante et nous allons voir comment avec la version payante, notre travail va aller très très rapidement. Donc pour installer la version payante, on a plusieurs options. C'est soit de cliquer ici, passer à la version pro. Et ça va nous rediriger directement sur le site de elementor.com. Donc là, on est sur le site d'elementor.com et là, ils vont nous montrer les différents forfaits qu'ils ont en ce moment. Donc, il y a des forfaits pour un seul site. Ça veut dire que le plugin, vous l'achetez pour un seul site Internet et il coûte 49 $ l'année. Pour 25 sites Internet, et là, c'est 199 l'année. Soit alors 499 l'année, et ça, c'est en USA, ça, ce sont les. En dollars américains, bien sûr, 499 l'année pour 100 sites et 999 l'année pour 1000 sites Internet. Donc, en fonction de vos besoins, vous allez choisir le forfait qui vous convient. Alors, une fois que vous avez choisi le forfait qui vous convient, vous allez juste suivre la procédure pour pouvoir acheter le plugin, d'accord? Donc, moi, je l'ai déjà acheté. La procédure est simple, vous allez cliquer sur le bouton et continuer et acheter le plugin. Donc moi j'ai déjà acheté le plugin, je vais me connecter sur mon compte pour récupérer le plugin parce que lorsque vous achetez ce plugin, on va vous donner donc je vais aller. Alors, une fois ici, je suis supposé voir à ce niveau ici, normalement, il doit avoir un bouton pour que je puisse télécharger le fichier vu que je l'ai acheté. Donc, je ne sais pas, peut-être je ne vois plus ce fichier-là parce que j'ai annulé
j'ai annulé mon abonnement. Mais ce que je vais faire, vu que je l'avais déjà téléchargé, je vais essayer de retrouver ça sur mon disque et je vais donc supposer, on va supposer comme, on va faire comme si je l'avais déjà installé sur ma machine. Donc normalement, le bouton devrait être ici pour télécharger le fichier zip. Donc on va supposer que le fichier que je l'ai déjà téléchargé et je vais donc, une fois que je l'ai téléchargé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau des plugins. Et je vais donc installer cette version Pro parce que c'est un autre plugin. Donc il y a la version simple que vous avez installée. On l'a déjà installée ici. Maintenant, je vais installer la version Pro. Alors pour cela, je vais cliquer sur Ajouter. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais venir ici au niveau de Upload Plugin. Et je vais aller chercher. Plutôt que ici, je m'en vais chercher ça dans les répertoires des plugins. Mais là, vu que ça se trouve dans mon disque dur, je vais plutôt cliquer ici pour aller le chercher sur mon disque dur. Donc, je vais faire Choose File et je vais aller au niveau des téléchargements et je vais rechercher ce plugin-là. Vu que je ne le trouve plus dans mon compte Elementor, donc il faut que j'aille le chercher. OK. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs versions. J'ai la version Pro 3.0.6 qui date depuis octobre 2020. Donc, je vais importer cette version-là. OK, là, la version a été importée et je vais l'installer. C'est installé, donc le plugin est installé. Une fois que c'est installé, je dois maintenant l'activer. Donc, on peut voir la version ici, la version télévisée. La version actuelle, c'est 3.0.6. Donc, ma version, malgré qu'elle date depuis de 2000, 2020, c'est une version qui reste à jour. Donc, mon plugin a été installé, tout est correct. Si je viens au niveau des extensions, on va pouvoir le voir Elementor Pro. Donc, vous voyez, ça, c'est Elementor simple. Ça, c'est Elementor pour le header et le footer qu'on avait installé. Lui, on n'aura vraiment plus besoin de ça. Et ça, c'est Elementor Pro qu'on a installé. Maintenant, nous allons activer cela. Et pour l'activer, il va falloir que nous ayons une licence. Donc, la licence va demander à ce que on active avec ce bouton-là. Donc, je vais cliquer sur Connect et Activate. Et là, ça va se connecter en fait sur mon compte Elementor parce que lorsque vous achetez le produit, vous achetez et vous créez un compte, d'accord? Et pour activer le logiciel, pour activer le plugin va essayer de se connecter sur votre compte pour pouvoir détecter le plugin et faire l'activation. Étant donné que ma licence a expiré, il me demande de réactiver ma licence pour activer toutes les fonctionnalités du plugin. Alors, il faut savoir que le plugin fonctionne comment? Lorsque tu l'achètes une fois, tu l'achètes pour 1 an. Après 1 an, il va falloir que tu réactives certaines fonctionnalités. Mais il y a des fonctionnalités vraiment évoluées, avancées, qui vont rester disponibles. Donc, je vais pas activer la licence, mais suivez tout le processus pour avoir la version Pro et vous activez le logiciel tel qu'on va vous demander. Donc, une fois que vous avez activé le plugin, maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Dans ce module, nous allons essayer de créer un site Internet en utilisant exclusivement le plugin Elementor Pro. Alors, je vais premièrement vous montrer en allant dans Elementor et en allant au niveau de la licence. Juste pour vous rappeler, la licence que j'ai expirée, mais nous allons travailler avec. Donc, de votre côté, assurez-vous d'acheter la version Elementor Pro. Donc, une fois que ceci a été dit, nous allons aller au niveau des apparences déjà pour choisir le template que nous voulons utiliser pour notre site Internet. Alors, je vais aller dans Ajouter et je vais choisir le template Elementor.
Ah, c'est celui-ci. Je vais installer le template. Et une fois qu'il est installé, je dois l'activer. Là, le template est activé, tout est correct. Maintenant, je peux commencer à créer mes différentes pages. Pour cette application, je vais aller dans Page, je vais aller dans Ajouter. Et je vais mettre Accueil pour créer la page d'accueil. Alors, nous avons plusieurs options ici. Nous pouvons créer notre propre page du début jusqu'à la fin, ou alors utiliser les templates qui viennent avec la version Pro de Elementor. Donc, sans tarder, je vais ici, venir ici, je vais demander d'utiliser le Canva Elementor. Là, on aura une page complètement vide. Je vais la sauvegarder. Ensuite, je vais venir au niveau de ce dossier pour aller regarder les templates, les modèles de page que Elementor Pro nous offre. Donc, dans cette section, nous avons des pages gratuites et payantes. Mais si vous avez la version Pro et qui est activée et à jour, toutes les pages ici, tous les modèles ici seront disponibles et gratuits pour vous. Donc là, je vais essayer de prendre un modèle qui m'intéresse en fonction de ce que je voudrais faire. Et ensuite, je peux le modifier à ma guise. Donc là, par exemple, je vais prendre ce modèle-ci, je clique dessus. Et ensuite, je vais cliquer sur insérer. Est-ce que je veux prendre le réglage par défaut? Oui. Donc, on attend que la page se charge. Et voilà. Donc, voilà le template qu'on a pris pour notre page d'accueil. Du coup, quand vous prenez un template comme ça, vous le sauvegardez, vous pouvez uniquement changer le contenu. Donc ici, vous pouvez changer, vous avez juste à changer le contenu. D'accord? Vous pouvez juste changer le contenu. Et maintenant, si vous voulez enlever des blocs, parce qu'une page est constituée d'un ensemble de blocs. Donc vous voyez, ça c'est un bloc. Si vous voulez l'enlever, vous le supprimez. Et vous créez un nouveau bloc en fonction de vos goûts. On a déjà vu dans les chapitres passés comment est-ce qu'on crée et on modélise un bloc personnellement. Donc, vous pouvez vous-même le faire en cliquant sur plus ici et en modélisant votre bloc. Par exemple, si je veux créer voilà, si je veux créer une région avec deux blocs comme ceci, je peux le faire et je mets l'image en fonction vraiment de ce que vous voulez faire. Ça, on l'a déjà fait. Je ne vais pas revenir dessus. Vous le faites à votre guise. Sinon, vous pouvez aller chercher toujours un bloc dans la section bloc ici. On a déjà différents types de blocs dans Elementor Pro qui sont catégorisés. On a les blocs dans tête appelés header. Donc, si vous rentrez header ici, ça, c'est pour l'entête header. Ça, c'est pour l'entête de votre site Internet. Donc là, comme j'ai supprimé mon entête, si je veux prendre une entête qui m'intéresse, malheureusement, là, je suis un peu bloquée parce que toutes les entêtes sont payantes. Donc, il n'y a aucune entête qui n'est gratuite. Bon, toutes ces entêtes sont payantes, mais honnêtement, vous-même, vous pouvez créer ces entêtes-là. Il n'y a rien de compliqué là. On laisse ça payant comme ça pour ceux qui ne veulent vraiment pas faire l'effort de programmer un peu. Mais en principe, comme vous voyez ceci, on peut nettement nous-mêmes le programmer. Cette entête-là, ces deux régions div. Donc, si je clique dessus, donc vous voyez qu'on a une première région en rouge avec le téléphone et ici Join Us et ensuite un menu et le logo. Ça, c'est très simple de le faire. C'est très très simple de le faire. Donc si vous ne voulez pas le faire, vous achetez la version Pro et vous rajoutez ça là-dessus. Sinon, vous-même, vous pouvez le construire en venant ici. Je vais cliquer sur la première région. Je vais encore cliquer sur une autre région.
Donc ça, c'est la première région qui est en jaune. Donc je clique dessus, je m'en vais au niveau de du style et je donne un arrière-plan jaune. Est-ce que c'était jaune ou bon. Donc je donne ça jaune et lui ici, je pense que c'était l'arrière-plan, c'était bleu. Donc je viens à style et je cherche la couleur. Et je mets le bleu. Par contre, lui ici, il était un peu grand. Donc, je vais changer la hauteur. On va changer la hauteur. Et on va un peu le mettre comme ceci. Vous voyez, là, je viens à peu près de créer mon menu. Là, je dois dupliquer ma colonne pour avoir deux colonnes. Et cette colonne-ci, je vais mettre mon logo à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais donner 20%. Ça, on a déjà vu tous ces éléments. Et ici, ça sera le menu. Donc, si je viens là, je vais au niveau de menu. Et là, vous voyez que j'ai cette option menu. Ça vient avec la version Elementor Pro, ce que nous n'avons pas avant. Donc, je peux juste porter ça et je place ça là. Et là, ça va être le menu. Mais là, on ne voit rien pour le moment parce que on n'a pas encore créé de menu. Pareil pour le logo. Donc, j'entre logo et je vais chercher le logo et je mets là. Et pour ici, on avait un test au bout ici et on avait un test au bout ici. Donc, pour pouvoir faire cela, c'est que on va dupliquer les colonnes, on va créer, essayer de créer plusieurs colonnes. Ok, là c'est beau. Ici on a une dernière colonne ici et on va essayer d'étirer la région. On va essayer d'étirer la région. Là j'ai étiré la région et ensuite je vais mettre mon test ici. Bon, là, je suis passée prendre vraiment beaucoup de tests, mais c'était encore quoi de tests qu'ils ont mis? Je pense que c'était peut-être le numéro de téléphone, je sais pas. Je pense que c'était le numéro de téléphone avec une icône. Ah, c'était une icône avec le numéro de téléphone, ok. Donc, je vais mettre le numéro de téléphone, ta ta ta. Et il y avait une icône. Pour mettre l'icône, alors, pour mettre l'icône, on va aller au niveau des éléments et on va chercher icône. Donc, on a une icône ici. Dans l'icône se positionne, on voit que l'icône se positionne juste en bas. Ce que je vais faire, c'est, je vais enlever ceci. Je vais supprimer ceci. Et je vais dupliquer ma colonne. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais dupliquer ma colonne. OK. Et cette colonne-ci, je vais la donner un truc comme ceci. Et l'icône, je vais vraiment changer la taille de l'icône. Je vais changer la taille de l'icône. Comme ceci. Et je vais essayer de faire descendre ça comme ceci. Et de ce côté, je vais enlever ça. Et je vais mettre du test. Coller. Ah, il n'y a pas de coller. Je vais mettre du test là à l'intérieur. On peut faire un truc comme ceci. Et après, lui également, on va le styler. L'icône, je vais l'aligner ici. Et ça, je vais l'aligner là. Il est déjà aligné et je vais le faire descendre également. Donc, je vais juste le faire descendre en bas. Les autres valeurs n'ont pas besoin de changer. Okay. Je vais le faire descendre en bas. Là, c'est trop.
Et ensuite, je vais le rapprocher de l'icône en le faisant aller à, je pense c'est à gauche, à gauche également de, non, c'est à droite. Je vais le faire aller à droite comme ceci. Voilà, il n'avance plus, mais ça peut être quelque chose comme ceci. Et là, je peux le changer pour cell phone. Je peux le changer pour phone. Et ça nous donne un truc comme ceci. Et ici, on avait un autre test à l'intérieur. Dans le test à l'intérieur, je peux aller le chercher ici. Et je mets le test en question. Comme ceci. Et ici, on a le menu. Donc là, vous voyez ce même header que nous avons trouvé qui vient avec la version Pro. On peut nous-mêmes le créer si on prend juste un peu de temps pour faire un peu de codage et on a ce header. Alors, je vais parcourir la version Pro pour vous montrer des éléments tellement importants qu'on peut trouver. Il y a plein d'éléments qu'on peut trouver dans la version Pro. Donc, on va aller au niveau des blocs. Au niveau des pages, je vous importe toute la page entière. Donc, quand je suis sur une page ici, donc vous pouvez importer toute une page entière et la modéliser comme vous voulez. Mais au niveau des blocs, vous pouvez importer chaque bloc une par une et l'importer à une place spécifique dans votre code. Par exemple, si vous voulez un bloc comme ceci ou vous voulez écrire du test juste comme ceci, tout le design a déjà été fait, vous pouvez juste cliquer dessus. Et voilà, et ça l'insère dans votre page. On peut continuer ainsi de suite. Donc, si on veut insérer des services, par exemple, il y a déjà des templates services qui ont été faits. Des templates services qui ont déjà été faits. Donc, on a ce template, on a ce template, on a celui-ci. Essayons voir de prendre celui-ci, par exemple, et on l'insère. Donc, vous voyez comment le design a déjà été fait. Il ne vous reste plus qu'à changer l'image en mettant votre propre image. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez sur l'image ici et vous partez chercher l'image sur votre disque dur et vous l'insérez. Et de ce côté, donc, je vais très rapidement faire ça pour vous montrer, bien qu'on l'a déjà fait, si vous avez suivi bien le programme. Je vais prendre cette image et je vais l'insérer. Et voilà une image que j'ai prise sur mon disque et j'ai insérée. Et papapap, ici, vous changez le titre, vous changez la description. Donc, il y a plein de templates de services, c'est vraiment à votre goût et vous pouvez vraiment aussi appliquer votre propre design si vous voulez qu'en venant sur, en passant le curseur sur l'image et que ça change de style, vous pouvez également le faire. On a vu comment le faire cela, c'est en cliquant ici, en allant au niveau de style et en allant au niveau du style. Est-ce qu'ils ont le hover sur ça? Résultat, on n'a pas de hover. Ah, c'est ça ici, survol. Donc, c'est ça ici, l'option survol. C'est ça qu'on appelle le survol sur l'image. Qu'est-ce que vous voulez voir? On peut changer, par exemple, l'opacité. D'accord? Vous voyez comment c'est flou, on peut changer la transition, on peut changer pas mal de choses, la bordure. Donc, vous pouvez programmer ça, vous pouvez appliquer au-dessus du design de Elementor votre propre design. Comme ici, vous voyez, le texte, il est assez flou, il est assez flou. Donc, si on veut le rendre assez sombre, on clique dessus, on vient dans style, on s'en va dans la typographie. Et bon, la couleur même déjà ici, on change d'abord la couleur en noir et vous voyez que la couleur est maintenant noire. D'accord? Donc, ça, ce sont des trucs qu'on a vus. Je continue à explorer. On s'en va chercher. La dernière fois, vous avez vu, j'ai programmé FAQ. Ici, il y a déjà des templates FAQ vraiment très, très simples. Vous voyez, très beau. Très beau.
Et tout ça, c'est gratuit. Donc, si je clique là-dessus directement, je fais insertion et je ramène ce template qui est déjà fait. Donc, en principe, on n'a plus vraiment à faire trop de codage. Le codage a déjà été fait pour nous. Maintenant, si vous voulez appliquer votre codage, vous appliquez. Donc, on va finir avec le bas de page, par exemple. Donc, si je vais insérer un bas de page, autant pour moi, je vais venir ici et je m'en vais dans bloc également dans la session. OK, le bas de page, je pense, c'est footer. Footer. Les bas de page et les pieds de page sont des éléments qui sont presque toujours payants ici. Donc, vous voyez les différents bas de page qu'ils ont. Il y en a pas mal, pas mal, pas mal. Mais malheureusement, c'est payant. Donc, il nous faut coder. Vu qu'il y a pro là, c'est payant. Donc, si je veux par contre insérer un formulaire, je vais regarder ici, il y a quoi que l'on n'a pas vu. Il y a les clients, il y a contact, il y a FAQ, il y a feature, footer, header, hero, portfolio, pricing, product services, single page, etc., etc. Teams, pour parler de votre équipe, quelle est l'équipe dirigeante. Il y a plein de templates qui sont là et qui sont gratuits. C'est merveilleux. Je prends par exemple ça et je vais insérer. Et voilà, ça donne ceci. Donc là, je vais mettre ça à jour. Et si j'exécute mon site, et voilà ce que ça donne comme résultat. Voilà, en quelques minutes, on a un site vraiment qui est vraiment professionnel, hein. Ça tend vraiment au professionnel. Maintenant, si je m'en vais et j'essaie de créer une deuxième page, donc on va faire ajouter et je vais créer une deuxième page qui s'appelle service. OK, modifier avec Elementor. Et ensuite, je vais prendre le canevas Elementor, je vais sauvegarder. Donc, ma page apparaît, elle est vide. Elle est vide. Donc, si je ne veux pas qu'à chaque fois que je crée une page, il faut que je crée le menu et il faut que je crée le pied de page, qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment-là? Alors, il y a une option avec Elementor qui permet de créer des modèles et d'importer des modèles là quand on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller créer un modèle de notre propre modèle de pied de page et notre propre modèle de header d'en-tête. Et pour faire cela, on va s'en aller au niveau de modèle. OK. Et au niveau de modèle, on va cliquer sur ajouter un nouveau. Et dans ajouter un nouveau, dans la liste ici, on va sélectionner quel type de modèle on veut créer. Alors, si je veux créer un header, par exemple, je clique ici header et je vais appeler ça menu principal, qui est le menu principal de mon site. OK, et là, on me demande de choisir déjà un modèle existant. J'aurais pu choisir le modèle existant, mais là, ils sont tous payants. Je suis obligée de le construire. Donc, je vais enlever ceci. Donc, dans les réglages ici, est-ce que je peux changer, est-ce que je peux changer, enlever le menu principal ici? Apparemment, c'est pas possible. Donc, je vais venir ici, donc je vais créer mon header et je suis obligée de le créer par moi-même. Donc, je vais faire quelque chose d'assez simple juste pour vous montrer. Comme d'habitude, on aura juste deux trucs ici. Ça sera pour
pour le logo et ça sera pour le menu. Et je vais me définir une taille, une hauteur comme ceci. Et je vais me définir un background si je veux. Je vais me définir un background comme ceci. Et ensuite, je vais mettre le logo. Je vais aller chercher le logo. Je vais mettre le logo ici. Et après le logo, je dois aller chercher le menu. Le menu. Et le menu, je vais le mettre ici. Alors, le logo et le menu n'apparaissent pas parce que je n'ai pas encore créé de menu. Et aussi, je n'ai pas aussi fait de setup de logo. Du coup, ça ne se présente pas très très bien. Je vais le laisser ainsi. Je vais publier. Et ensuite, on va me demander d'ajouter une condition. Est-ce que ce menu-là, est-ce que je veux le voir affiché sur tout le site? Oui. Donc, je choisis la condition. Affichez-moi ceci sur tout le site en entier. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer une page, un article, mon menu principal va figurer sur cette page-là. On va très vite aller faire le test. Donc, je vais sortir. J'ai fini de créer mon modèle de... Oups. Je vais retourner là. J'ai l'impression que... Ok, c'est bon. Tout a été sauvegardé. Donc, je vais vite sortir de là. Et ce que je vais faire, c'est aller définir mon logo. Et pour définir un logo, on l'a déjà vu. On va dans Apparence personnalisée. Apparence personnalisée et on va changer le thème, c'est correct, l'identifiant. Bon, on va laisser ça comme ceci. Je vais rajouter le logo. Disons qu'on va prendre ceci comme logo. On va définir ceci comme notre logo. Une erreur survenue lors du rec... Ah, ok. Bon, je vais sauvegarder ça. Donc, vous voyez déjà comment le logo apparaît ici. Et je vais laisser l'icône ici. Ça, bon, vous pouvez modifier ça. Hein. Moi, je vais très vite passer dessus. Après le logo, il y a la page d'accueil aussi que je dois régler. La page d'accueil, c'est une page statique. Et ça pointe sur la page d'accueil. Vous voyez, j'ai mes deux pages que j'ai créées. Donc, je vais faire pointer ça sur la page d'accueil. OK, je vais publier. OK. Et là, je vais sortir de là. Et je vais aller au niveau maintenant du menu, apparence menu. Et je vais me créer très rapidement un menu. Et je vais créer mon menu. Et je vais ajouter automatiquement les pages du premier niveau à ce menu. Ça aussi, je dois ajouter ça. J'enregistre et je vais chercher, ça c'est les pages les plus récentes. J'ai juste la page service. Je ne vois pas la page d'accueil, afficher tout. OK. Afficher tout. Je vois la page d'accueil, la page de service, je les ajoute. La page d'accueil et service, je mets à jour. Je mets à jour. OK, menu. Je ne sais pas si ça a été mis à jour. OK, ça a été mis à jour. Parfait, parfait. Maintenant, je vais aller regarder. On va aller regarder maintenant nos différentes pages. Si on a le menu. Tel qu'on l'a fait. On va aller regarder cela. OK. Donc, si je visualise, en fait, OK, si je visualise, je vois que mon menu n'est pas là. Pour pouvoir mettre ce menu-là. Alors, je peux maintenant enlever ceci, comme ceci.
Et si je change le canevas pour le canevas par défaut. Automatiquement, mon menu va apparaître parce que le canevas par défaut va aller détecter directement le menu qui a été créé en ce moment et ça va l'ajouter sur ma page. Donc ici, tout ce qui me reste à faire, c'est je n'ai pas affiché le titre qui s'affiche là. Et voilà mon menu qui est là, le logo et ceci. Et ce menu-là a été mis automatiquement. Vous voyez, j'ai un élément ici qui me dit d'aller le modifier, d'accord? Donc, je peux cliquer dessus pour aller modifier uniquement mon menu qui est le template que j'ai créé tout à l'heure. Donc, si je veux le modifier directement à partir d'ici, je peux le modifier. On va voir, on va le modifier. Je vais changer un peu l'image de fond. Bon, la couleur là, avec le noir du logo, on va prendre une couleur comme ceci et je vais changer la couleur du test. Lui, il va être, le test va être en blanc. Où est-ce qu'on change ça? On va laisser ça comme ceci. Maintenant, pour faire ça, ça a été mis à jour. Pour faire le test, on va aller sur la page de service et on va voir si le menu a été également mis sur la page de service. Très rapidement, je vais aller sur la page de service modifiée avec Elementor. Et voilà, donc. Il faudrait que je change le canevas ici pour mettre le canevas par défaut. Le canevas par défaut détecte automatiquement notre menu. Et voilà, vous voyez comment ça a été mis à jour. Parfait. Je vais juste enlever le donc vous voyez, service affiché ici le titre. Je vais décocher ça pour que ça parte. OK. Parfait. Un dernier test. Maintenant, voyons voir si on crée une nouvelle page. Par exemple, la page de contact. Et on va voir si le menu apparaît directement sur cette page-là. Donc, je vais créer une troisième page. Je vais l'appeler contact. Et ensuite, je vais modifier avec Elementor. Et voilà, vous voyez automatiquement ma page de contact a le menu. Tout ce que j'y me reste à changer, c'est juste d'enlever le titre ici et de mettre à jour. OK. Dernière configuration. On ira maintenant modifier le pied de page. On ira maintenant modifier le pied de page. Et pour faire le pied de page, on va aller dans modèle également. Et dans modèle, on va cliquer sur ajouter, mais cette fois-ci, ajouter un footer. Et on va appeler ça pied de page. On va appeler ça pied de page. Et là, on nous présente, OK, là, on nous présente différents pieds de page. On nous présente différents pieds de page. Donc, un pied de page assez simple comme ça, c'est beau, ça. Ce pied de page, il est assez simple. Donc, je peux rien choisir ici. Ça devait être très facile de juste cliquer et d'insérer. Mais là, c'est payant, malheureusement. Ce que je vais faire, c'est juste de créer mon propre pied de page. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Peut-être ici, je vais mettre mon logo 20. Ici, je vais mettre une colonne, deux colonnes. Oups, est-ce que j'ai pas mis ça à 20? Ça 20. Donc, dans cette zone, je vais mettre le logo.
mettre le logo ici. Et je vais mettre le background. Je vais mettre le background à. Vu que mon logo il est déjà noir, si je le mets le background en noir, ça va enlever mon logo carrément. Donc il me faut prendre un background comme ceci. Un peu gris. Gris comme ceci, ouais. Et quoi d'autre que je pourrais mettre sur mon background? Je vais un peu augmenter la hauteur comme ceci. Je peux mettre les liens des réseaux sociaux sur le dernier. Je pense qu'ils appellent ça social réseaux sociaux. Je les mets là. OK. Et ici au milieu, je peux mettre des listes. Je peux mettre des listes. OK. Je peux mettre des listes. Et est-ce que ces listes, on a besoin des icônes là-dessus? Pas, non, je pense pas. Donc du coup, je peux comme enlever, je peux enlever les icônes. Je peux enlever les icônes. Oups, non, c'est pas ça. Bon, je vais laisser ça comme ça. Ça me fait mon pied de page, condition, affiché sur tout le site et sauvegarder. Et mon pied de page est sauvegardé. Maintenant, je vais retourner au niveau de mes pages. Je vais retourner au niveau de mes pages. Et je peux visualiser l'une des pages. Et vous allez voir que le pied de page est bel et bien là sur ma page web. Le pied de page est bel et bien là sur ma page web. On va descendre sur la page d'accueil. Et voilà le pied de page qui se trouve là. Voilà le pied de page qui se trouve là. Alors, dernier test, dernier élément que nous allons tester, les formulaires. Donc, pourquoi les formulaires? Parce que dans les chapitres précédents, on est obligé d'aller installer un plugin juste pour nous faire un formulaire et c'était tellement complexe. Et regardez comment ici, un formulaire s'est créé très très simplement. Donc j'ai créé une zone vide comme ceci et je m'en vais dans éléments et je rentre forme et vous voyez, on a ça et ça là, je le prends, je le dépose là. Et voilà, du coup j'ai un formulaire tout fait, tout beau. Je n'ai plus besoin d'un plugin pour pouvoir le faire, d'accord? Et pour le paramétrer, c'est assez simple. On a déjà tous les éléments ici. Donc, le nom, je peux mettre nom ici. Je peux décider de dire si c'est un champ obligatoire ou non en cochant ceci, d'accord? Dans Advanced, je peux mettre une valeur par défaut. Et je peux mettre un ID et je peux mettre le short code ici. Je peux l'utiliser pour mettre dans l'email que je vais recevoir quand la personne qui va remplir le formulaire va m'envoyer le formulaire rempli. Je peux personnaliser ce mail-là en mettant ce champ-là. Donc, c'est ça, le short code. OK. Donc, ici, vous voyez, j'ai le placeholder. Donc, si je veux enlever le placeholder, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, si je veux enlever le label, non, j'enlève ça ici. Donc, tous ces labels-là disparaissent. Je préfère bien avoir déjà juste le placeholder comme ceci. Et le bouton, si je veux le paramétrer, donc, je dois aller changer, le test, il est centré déjà comme ceci. Je centre le bouton. Si je veux augmenter sa taille comme ceci, je peux augmenter sa taille. Si je veux augmenter quoi d'autre, si je veux changer la couleur, donc pour changer la couleur du bouton, ça c'est size, align, ça doit être dans C que je dois le faire. Donc dans C, je viens au niveau du bouton ici et je suis en mesure de changer le background de mon bouton comme ceci. Je suis en mesure de changer le background, je suis en mesure de changer la typographie du test. Je peux mettre ça en
gras dans le sein, il est maintenant en gras. Le test du sein, je le change au niveau du contenu ici. Bouton, à la place du sein, je peux mettre envoyer. Donc, c'est facilement paramétrable. Vous allez jouer avec ça, c'est très facilement paramétrable. Donc, une fois que c'est fait, si je veux l'envoyer, je paramètre à qui est-ce qu'on envoie. Vous mettez l'adresse à qui est-ce qu'on envoie. Et quel est le message? Donc, vous pouvez faire votre propre message ou vous pouvez juste faire all field comme ça. Vous allez recevoir le message avec les champs-ci remplis. Donc, le nom, on aura nom, 2 points, le nom que la personne a entré, email, 2 points, l'email de la personne. Si vous ne voulez pas, vous-même, vous allez créer votre propre message. Peut-être mettre un nouveau message venant. Un nouveau message venant du site web, 2 points. Le nom de la personne, 2 points. Vous mettez le nom. Pour récupérer le nom que la personne a entré, vous allez venir dans Field, dans Nom, Avancé. Vous prenez ceci et vous retournez autour de l'email setting et vous mettez ça. Ça là, ça va rentrer le nom que la personne a rentré, etc., etc. Donc, vous paramétrez vraiment ceci comme vous voulez. Donc, ça, c'est le titre du message qu'on peut mettre. Si vous voulez CC une personne, vous mettez le nom de la personne. Par exemple, si je veux CC Suzy Stéphanie, je le mets ici et voilà, elle va aussi recevoir le message une fois qu'une personne va remplir le formulaire. Donc, c'est très, très, très simple. Il y a plusieurs autres paramètres ici que vous pouvez utiliser. Donc, ça prendrait vraiment un autre chapitre exclusif pour vous montrer uniquement comment les formulaires, vous pouvez setuper un formulaire et faire tous les paramétrages, le recevoir et faire d'autres paramétrages, mais de manière simple, simple, simple. On a ceci et on est parti et tout fonctionne là. Tout fonctionne. Là, on est en mesure d'envoyer un message et la personne qui a été définie ici recevra le message. D'accord? Vous mettez la personne, le nom de l'email de la personne qui recevra tous les messages des gens qui vont rentrer leur message à travers votre site internet. OK, je pense qu'on a pas mal fait un peu de tout sur Elementor. Maintenant, si on veut avoir d'autres fonctionnalités avancées, nous allons faire un autre chapitre pour vous montrer d'autres fonctionnalités avancées. Par exemple, sur comment avoir un menu qui scroll, qui continue d'être là lorsqu'on scroll. Des choses comme ceci, c'est juste des animations qu'il faut faire et un petit codage qu'il faudrait apprendre pour pouvoir faire de pareilles manipulations. Prochaine chose pour conclure cette activité sur Elementor Pro, c'est de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on gère les non non il y a les pop-up d'abord. Comment est-ce qu'on gère les pop-up? Alors, les pop-up, on a vu également que pour créer un pop-up, il fallait que on installe un plugin supplémentaire. Mais dans Elementor, on va juste aller dans modèle. On va juste aller dans modèle et on va se créer un nouvel modèle et on va spécifier ici que c'est un pop-up. D'accord? C'est un pop-up. Et je vais pas donner de nom à mon pop-up. Je vais laisser ça comme ça va générer un nom au hasard. Et là, on va me présenter la liste des pop-up. Donc, il y en a tellement de pop-up qui ont déjà été programmés. Un pop-up qui s'affiche au centre. Ici, un peu à l'étroit. Ici, au centre. Il y en a énormément de pop-up définis par Elementor. Énormément, énormément. Et ils les ont tous mis payants. Payants, pourquoi? Parce que c'est déjà défini, c'est déjà créé pour vous faciliter la tâche. Vous venez, vous choisissez ce qui vous plaît et c'est fini, d'accord? Mais nous, on sera obligé de créer très rapidement
rapidement un pop-up. Pour cela, je vais créer juste un pop-up formulaire. Je vais créer un pop-up formulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans je vais aller dans je vais même pas créer un pop-up formulaire, je vais chercher un ils sont tous payants. Non, dans bloc. Si je vais dans bloc, je prends juste ça, c'est juste pour vous montrer, hein. Je prends juste ceci. Mais si c'est un formulaire, vous créez vraiment un formulaire. On a vu comment créer un formulaire. Donc, je prends juste ceci. Je vais juste afficher ce message, aussi simple qu'il soit. Je clique sur publier. Ensuite, on me demande de la condition. Je vais laisser le pop-up s'afficher sur toutes les pages. Ensuite, on me demande de trigger. Comment est-ce que tu veux que le pop-up soit ouvert? On peut dire au chargement de la page. On peut choisir au chargement de la page ou bien quand on scrolle, c'est-à-dire quand on descend avec la souris ou bien quand on monte avec la souris sur la page. Quand on scrolle sur un élément particulier sur la page, quand on clique sur un élément particulier, après un moment d'inactivité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de clic sur la page. Quand on sort de la page, donc il y a tellement de manière de générer, d'activer ce pop-up là. Regardez, nous on va cliquer ici quand on quitte de la page par exemple comme condition pour déclencher, pour afficher le pop-up. Donc je vais choisir ça. On me demande comment est-ce que je vais afficher le bouton. Ça c'est quoi ça? Advance rule show after X page. Donc ça c'est d'autres conditions avancées. Je vais pas choisir ça. OK, et donc mon pop-up il est disponible, il est déjà activé, tout est fait. Maintenant, on va tester en allant lancer la page d'accueil. OK. Donc la page d'accueil. Voilà ma page d'accueil. Et qu'est-ce que la condition du pop-up dit? Lorsque je vais sortir, on a choisi de déclencher le pop-up lorsqu'on quitte de la page. Donc, voyons voir, là, je scroll, je fais mes trucs, tout est correct, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si je décide de sortir de ma page, et voilà, le pop-up apparaît. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire là. Ça se fait une fois, hein. Il faut que je rafraîchisse. Pour que ça apparaît une nouvelle fois lorsque je quitte, vous voyez, lorsque je quitte et le pop-up apparaît. Donc c'est à peu près ça. Sinon, on peut changer de condition. Si je reviens ici, trigger, je clique sur trigger. Et là, je vais dans condition. Donc la condition est bon, le trigger. J'enlève ça et je mets on scroll et je dis on scroll quand je scroll down ou up. Donc quand je descends ou bien quand je monte. Donc je vais mettre down. Après le pourcentage, donc après 50% de ma page. Donc après que j'ai visualisé 50%, j'ai parcouru 50% de ma page. Donc on va le retester. OK, maintenant si je sors, vous voyez, il n'apparaît plus parce que j'ai enlevé le trigger à la sortie. Donc, le 50% de ma page, c'est le milieu en fait. Donc, vous voyez qu'ici, lorsque je vais atteindre le milieu de tout mon contenu, ça va apparaître. Donc, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Quand la flèche sera vraiment rendue au milieu, je pense qu'on est déjà proche. On est proche et on est au milieu là. Voilà. Et voilà, on est au milieu et ça s'est déclenché. D'accord? Donc, ça, c'est une autre condition. Ou alors, on peut encore changer en cliquant sur cette petite flèche ici, en allant sur Trigger. On peut décider de l'afficher quand on clique.
quand ça va se déclencher, quand on va cliquer, ça c'est quoi, pourquoi, lorsqu'on va cliquer une seule fois sur un élément. Pour ouvrir notre pop-up, en cliquant dessus, on va aller dans la configuration du pop-up. Lorsque nous sommes en mode de modification du pop-up, on va aller dans la configuration. Au niveau de réglage ici, on va cliquer au niveau du réglage. Et dans les paramètres du pop-up, on va aller dans avancer. Et dans avancer ici, on a cette option-ci. Alors, on doit entrer soit dièse, un nom, soit point, une classe. D'accord? Donc, moi, je vais par exemple entrer dièse mon pop-up. Donc, dièse, le nom de mon pop-up qui est pop-up 2. Donc, je vais entrer dièse pop-up 2. Je copie ça, je sauvegarde. Alors, je copie ça, CTRL-C. Et ensuite, je m'en vais n'importe où je veux, où j'aimerais que ce pop-up soit ouvert. Je m'en vais là-dessus. Par exemple, je vais aller sur ma page d'accueil. Et je vais décider de, lorsqu'on va cliquer sur service, ça va ouvrir le pop-up. Donc, je clique ici sur service. Je m'en vais au niveau de lien et je colle la valeur que j'ai c'est au niveau de que j'ai eu à c'est au niveau de mon pop-up et j'enregistre. Donc pour visualiser, je clique sur prévisualiser et je vais descendre au niveau de service. Quand je vais cliquer dessus, ça va ouvrir mon pop-up. Et ça, je peux le mettre sur n'importe quelle valeur. Même ici, je peux le mettre au niveau du lien. Au niveau du lien ici, je peux mettre donc ça. Et quand je vais cliquer sur le robot-ci, ça va afficher. Donc, on va faire l'essai. Si je clique ici, vous voyez, ça ouvre le pop-up. Donc, ça c'est tout pour les pop-up. Maintenant, on va très rapidement passer au niveau des blogs. Comment est-ce qu'on crée un blog avec Elementor Pro? Ça également, c'est très rapide, c'est très facile. Il nous suffit d'aller au niveau des articles et on va créer un article, par exemple. On va très rapidement créer un article. Je vais appeler ça science. Je vais laisser ça public. Mais en général, lorsqu'on crée un article, on le met privé. C'est lorsqu'on a terminé qu'on le rend public. Donc, je vais laisser ça comme ceci et je vais changer dans l'image en avant. Je mets ça comme ça. Donc, je vais mettre les scientifiques, non les chercheurs en 2022. Le contenu de mon article, je vais aller mettre un contenu. Je vais aller mettre un contenu. Donc, pour mon article, j'ai fait une div créée. Pour mon article, je vais par contre, je vais prendre. Est-ce que je vais prendre ce canevas? Je vais prendre le canevas par défaut. Le canevas par défaut d'un blog, vous voyez, le canevas par défaut d'un blog, ça vient avec les commentaires comme ceci. Et donc, moi, je vais, pour mon blog, je vais, ça va dépendre de vous. Moi, je vais le désactiver. Si vous voulez le laisser, vous le laissez. Mais je vais le désactiver et je vais prendre le canevas par défaut d'Elementor. Mais en prenant le canevas par défaut d'Elementor, ça m'a créé une page vierge. Donc, je vais créer mon blog totalement du début jusqu'à la fin. Alors là, je vais créer dans mon article. Donc là, mon article est vide. Je vais créer mon article. Donc, je vais chercher le test que je vais mettre ici. Je vais me créer un header que je vais mettre là. Donc pour mon test, je vais prendre mon test, je vais le multiplier par
Puis mon test. Bon, je mets juste un test comme ceci. Et là, j'ai créé un blog. OK. Là, j'ai créé un blog. Et ensuite, je vais créer une page. Donc, je vais sortir de. Je vais sortir des articles. Alors, je sors de la section articles. Je viens dans la section page. Et dans la section page, je vais me créer une nouvelle page. Et cette nouvelle page, c'est une page qui va contenir tous mes blogs, donc tous mes articles en fait, d'accord? Et modifier la page avec Elementor. Donc cette page, c'est la page qui va contenir tous mes articles que j'aurais eu à faire. Donc je vais laisser ce template par défaut, je vais juste enlever le titre. Et ici, je vais aller me chercher une région. Et dans cette région, je vais mettre post. Je vais aller chercher post. Je vais aller chercher post. C'est ça ici, post. Et je vais mettre ça. Et voilà, j'ai donc ce seul article que j'ai créé qui apparaît. Et je peux le paramétrer comme je veux. La taille, le ratio de l'image, je peux paramétrer ça comme je veux. La longueur de ce test-ci, oups, de ce test-ci, ici, je peux passer ça. Donc, vous voyez, plus ça augmente ici. Donc, si je mets 100, j'aurai plus de tests. Ça, on l'a déjà vu, hein. Donc, je vais remettre là. Les métadata, est-ce que vous voulez afficher la date, comme vous voyez la date, s'il y a des commentaires ou pas, est-ce que vous voulez afficher ça? Moi, je vais enlever les commentaires. Je vais juste laisser le titre et la date comme ceci, comme métadata. Ça, c'était les séparateurs des éléments. Vu que j'ai juste un seul élément, ça va. Est-ce que vous voulez afficher les plus? Moi, je vais pas l'afficher, je vais l'enlever. Le les plus. Est-ce que vous voulez, lorsqu'on clique dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre ou alors ça ouvre ça écrase l'ancienne fenêtre et on reste sur la même fenêtre. C'est souvent mieux de, je vais laisser la même fenêtre, je vais laisser la même fenêtre. Ça, c'est la pagination. Au cas où il y a plusieurs articles, vous gérez la pagination, le nombre d'articles, le suivant, le précédent. Ou alors, ouais, moi je vais laisser ça comme ceci. Au niveau de l'habillage, il y a plusieurs types d'habillage. Il y a le cadre. Regardez comment le cadre se présente. D'accord? Donc le cadre, c'est un autre template, en fait complètement différent. Ou alors, full content, ça va afficher tout le contenu. Ou alors le classique, ça c'est vraiment le classique qui vient, le modèle qui vient avec WordPress par défaut. Le nombre de colonnes, vous voyez, ça a été divisé en trois colonnes. Et on a une deuxième ici et une troisième ici. Est-ce que vous voulez deux colonnes? Là, on aura ça si on a juste deux colonnes. Si on en a quatre, on aura ceci. Le nombre de postes par page, la position de l'image, ainsi de suite. On peut vraiment faire tout type de modification. Maintenant, pour les gaps entre l'image, entre les colonnes, ça se joue ici. On peut modifier vraiment le box, tout cet ensemble, si on peut le modifier ici. Donc, regardez ce que ça fait. On peut le modifier là. L'image, on peut modifier l'image ici. Le contenu, on peut modifier le style du contenu ici. La couleur du titre, c'est déjà en rouge. L'espace entre le titre et les metadata, on fait comme ceci. Les metadata et on modifie l'espacement ici. La typographie aussi de l'exec, on peut l'augmenter. On peut diminuer cela. Ok, bon, je vais laisser ça comme ça. C'est à vous de faire votre template, franchement. Vous jouez avec et vous allez vous retrouver. Donc là, j'ai ma page blog. J'ai ma page blog. Si j'actualise
automatiquement, vous voyez, j'ai le bloc qui apparaît au niveau du menu. Vous vous rappelez, quand je créais mon menu, j'ai dit que il faudrait que les pages apparaissent automatiquement sur le menu dans mes blocs. Et là, j'ai mon bloc et j'ai juste un seul article, vu que j'ai juste un seul article que j'ai créé. Maintenant, si on clique sur l'article, qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a le texte qui s'affiche comme ceci. On a la page de l'article qui s'affiche comme ceci. Cette page-là, on va essayer de la styler parce que là, ce n'est pas stylé. Et vous allez voir comment on va le faire. Donc, on va retourner sortir de la page mes posts et on va aller au niveau de. On ira au niveau de mes modèles ici. Et on va créer un modèle. On va créer un modèle de page pour toutes nos articles. Donc, je vais créer un modèle qui s'appelle Single Post. Donc, ça, c'est la page de détails d'un article. Ils appellent ça Single Post. Donc, on va créer un single post, un template en fait pour un single post. Donc, comme toujours, Elementor va nous proposer des exemples de templates qui existent. Ils vont nous proposer des exemples. Et tous sont payants, tous sont payants. Mais nous, on va en créer notre propre modèle. Donc ici, ce que je peux faire, c'est ici, je vais créer une région, une large région. Là, c'est mon propre design que je fais là. Et à l'intérieur, je vais mettre le titre de l'article. Donc, je vais prendre ici, post title, et je mets le titre ici, et je vais le mettre en gros caractère. Donc, je fais ça, et j'ai mon titre. Et je peux le décorer si je veux. Je vais le souligner. OK, comme ceci. Je peux donner une couleur. Je peux mettre ça en gras. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux laisser ça comme ça. Je mets un titre comme ceci. OK. Donc là, c'est le titre de mon article. Tous les articles que je vais faire, vous voyez déjà les chercheurs. Oh, ça c'était les chercheurs. Bon. Vous voyez, je peux pas modifier ça, hein. Je peux pas modifier ça parce que ça, en fait, c'est le titre d'un article. Et là, moi, je suis en train de créer le template pour afficher les articles un à un. Pour afficher les articles un à un. Donc, là, on voit ce que j'ai mis le post title ici. C'est l'élément qui affiche le post title. Après le post title, je vais créer une région. Je vais dupliquer ça. Et ici, je vais donner 80% ici. Et ici, de ce côté, je vais mettre d'autres choses. Je peux peut-être mettre une image ici qui va toujours s'afficher, qui sera toujours là. Image. Oups. Donc là, je prends l'image, je mets ici. Ça peut être n'importe quelle image. Je prends juste des trucs au hasard comme ça. Une image que je vais mettre là. Donc, prenons l'image de cette forêt. Je peux modifier le. Je vais modifier la largeur de mon image. Je veux qu'elle soit. Là, je voulais dire la hauteur. Je voulais qu'elle soit un peu comme ceci, ok. Et ici à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le post content. Je vais mettre le post content. Donc tout le contenu de mon article sera à ce niveau, d'accord? Et à la fin ici en bas, donc ici de ce côté, par contre, ici de ce côté, autant pour moi, je vais dupliquer cette colonne. Oups. Je vais dupliquer cette colonne. Non. Je vais mettre, je vais,
Je vais enlever ceci, supprimer, dupliquer. Je vais dupliquer cette colonne. Oups, malheureusement, attendez, je ne peux pas la mettre. Bon, je ne peux pas la mettre. Regardez, je vais créer une région divisée en deux comme ceci. Et celle-ci, je vais aller chercher. Et celle-ci, je vais la dupliquer. Bon, je vais la supprimer. Bon, celle-ci, je vais la supprimer. Donc, ici, je vais donner 80. Ici, bon, c'est correct. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais mettre en dessous de ça, je vais aller mettre des articles récents. Et pour aller mettre des articles récents, je m'en vais ici, je m'en vais là, je m'en vais chercher post. Je m'en vais chercher post. Post. Et je vais mettre post juste là en dessous. Et je vais paramétrer. Et en paramétrant, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une seule, je vais dire c'est juste une seule colonne que j'aurai là. Et je ne vais pas afficher, comme toujours, les commentaires, je ne vais pas l'afficher. OK. Et pour finir, ici en bas, je vais créer une région commune pour les commentaires sur le post. Bon, je vais annuler ça. La région, la région, c'est une région. Je vais la donner. Elle est encadrée. Je vais la donner 80. Pardon. Je vais laisser ça 100%. Donc, je vais effacer ça. Je vais mettre deux régions comme ceci. Et ici, je vais donner 80. Voilà. Ça, c'est beau. Et ensuite, à l'intérieur, je vais mettre le post common. Le post common, je le mets là. Qu'est-ce que j'ai pris là? Supprimer. Est-ce que c'est le post common que j'ai pris? Post content, post common. OK. Post comment et je le mets là, ça va m'afficher une région pour les commentaires. Et ici en bas, je peux encore mettre une autre région qui sera post et où je vais afficher tous les articles. Oh, j'ai encore pris post content. Je pense que je vois déjà mal là. Post. Title. Voyons, post. Et excuse. Donc là, je vais mettre ça là. Et je vais paramétrer. Ça va m'afficher. Je vais afficher trois colonnes. C'est correct, trois colonnes. Et au niveau de query, je vais aller chercher tous les posts qui sont d'une catégorie donnée ou bien qui ont été développés par X personnes. Alors là, je n'ai pas défini les catégories, bien évidemment. Donc, ce que je vais faire, à condition ici, c'est all singular. Donc, ça, c'est correct. Je choisis all singular. Alors, quand j'ai terminé de faire la configuration de mon template, donc, je vais mettre ça à jour. Je vais venir au niveau d'ici, display condition. Je vais demander d'afficher ça pour tous les articles et donc on peut voir ici qu'on a un article. Si on veut juste afficher pour un article en particulier, on peut choisir l'article en question. Si on veut afficher ça pour une catégorie en particulier, on peut aller au niveau de catégorie et on dit par exemple, affichez-moi ça pour telle catégorie.
et on choisit la catégorie en question. Donc nous, on veut utiliser ce template en fait pour tous les articles. Donc on va cliquer sur All et on va cliquer sur Save pour sauvegarder et mettre à jour. Une fois que c'est fait, on va sortir et on va retester tout ça et voir comment ça se comporte. Donc, on va aller exécuter l'une de nos pages. On va lancer la page de mes blogs. Donc, puisque tout commence à partir de cette page-là. Donc, je vais exécuter la page mes blogs. Donc, on peut bien voir la page, le menu et le bas de page et un seul article dessus. Et lorsque je clique sur cet article-là, et je peux voir maintenant le détail. Vous voyez que maintenant le détail de notre blog est plus structuré. On peut voir le titre de l'article. On peut voir le contenu. Et en bas, il y a une section commentaire. Et après la section commentaire, il y a une autre section qui va montrer les autres articles. Ici encore, on a une autre section qui va montrer d'autres articles. Et on a cette image-là. Donc, ce qu'on peut faire comme au Créteil, c'est essayer de créer deux ou trois autres articles et voir comment tout se met automatiquement en place. Donc, je vais retourner, je vais aller au niveau des articles et je vais ajouter un article. Et l'article, je vais appeler les réseaux sociaux et leur danger. Voilà mon article. Je vais mettre une image comme ceci pour l'image en avant. Et le contenu, bon, le contenu, bon, on va essayer de faire quelque chose pour le contenu. Les réseaux sociaux et leurs dangers. Ici, on voit un peu que notre design ne marche pas très bien. C'est quelque chose qu'on va modifier plus tard. Donc, je vais venir, je vais créer mon contenu. Donc, je vais mettre mon H1 ici. Le H1, c'est le titre, hein. Après le titre, je vais mettre du test. Et le test, je vais mettre blablabla. On va mettre du contenu. Et après ce contenu, je vais mettre une image. Très rapidement, je vais aller chercher une image que je vais mettre dans mon blog. Je vais prendre cette image, je vais mettre. Et je vais continuer ici avec un autre titre que je vais mettre ici. Les inconvénients. Et après ça, je vais mettre du test. Et voilà, j'ai fini avec mon article. Et on peut y voir comment l'article se présente. Donc, par défaut, on a toujours cette image. On a ceci. Et ici en bas, on a le commentaire. Et on a ceci. D'accord? Donc, très pratique. On va aller avec un troisième article, avec un troisième article. Je vais ajouter un troisième article. Donc, je vais créer un troisième article. La Fondation Génie d'Afrique. OK, je vais mettre une image en avant. Je vais mettre celle-ci. Ok, je vais modifier pour mettre un contenu. Ok, je vais mettre juste un titre comme ceci. Bon, ça va, je vais m'arrêter là. Je vais pas mettre du contenu. Et voilà. Donc j'ai mes trois articles. Donc si j'exécute ça. Je vais au niveau de la page mes blogs, j'aurai mes trois blogs. Voilà. J'ai mes trois blogs qui apparaissent là, carrément. Et si je clique sur un blog,
Et vous voyez, ça s'affiche par ordre de création. Lui, il est plus vieux. Ensuite, lui, et cet article est plus récent. Donc, si je clique là, et voilà, j'ai le contenu. Ici, j'aurai automatiquement les articles récents, commentaires, et en bas, je les ai remis ces articles-là. Voyez? Maintenant, je vais retourner au niveau des articles et je vais créer des catégories. Donc, on va aller au niveau de articles, catégories. On va créer des catégories. Alors, je vais créer une catégorie informatique. Créer. Je vais créer ensuite une catégorie ONG. D'accord? Créer. Donc là, je viens de créer deux catégories. On a déjà vu dans un chapitre précédent sur les blogs que cette catégorie, ça vient automatiquement et elle n'est pas supprimable. Donc, on va la laisser là. Donc, je viens de créer deux catégories. Et si je retourne au niveau de mes articles, je vais les catégoriser. Pour le moment, je ne les ai pas catégorisés. Je vais mettre cet article-ci. Je clique sur modifier. Alors, il faut savoir que je n'ai pas cliqué sur modifier avec Elementor. Donc, pour modifier les paramètres des articles comme ça, je dois juste cliquer sur modifier et non sur modifier avec Elementor. Modifier avec Elementor me permet juste de modifier le contenu. Donc, je clique sur modifier. Ensuite, je vais aller au niveau des catégories ici et je vais choisir juste catégorie informatique. Et voilà, je retourne en arrière. Je vais prendre le deuxième article, lui ici. Je clique sur modifier. Et aussi, je vais modifier sa catégorie. Et finalement, le dernier article, je vais le mettre dans catégorie ONG. La catégorie ONG. Alors maintenant, je peux décider que quand vous regardez ici, je peux décider que, OK, de ce côté ici, je vais juste afficher les catégories informatiques, par exemple. Alors pour cela, je vais retourner au niveau de mon, j'ai plusieurs pages qui sont ouvertes là, donc je vais essayer de fermer pour ne pas vous embrouiller avec ça. Donc on va fermer même les vieilles pages. Je vais fermer ça. Je vais rester avec une seule page ouverte. Donc maintenant, on va retourner au niveau de notre modèle de dans les miens les modèles ce modèle-ci de single et je vais le modifier un tout petit peu pour que à gauche là où on était à gauche pour qu'en plus ici en fait ne pas afficher tous les articles, mais uniquement les articles d'une catégorie précise. Donc, je vais cliquer là. Ensuite, je vais aller au niveau de Query. Au niveau de Query, je vais dire, ramenez-moi uniquement ceux qui sont de catégorie informatique. Donc, j'entre info. Est-ce qu'il faut entrer? Ah oui, je choisis thème. Autant pour moi, je choisis d'abord thème. Et ensuite, dans thème, je vais entrer informatique. Donc voilà, ça me ramène informatique. Et vous voyez maintenant qu'ici, je n'ai que deux articles parce que justement, je n'ai que deux articles dans la catégorie informatique. Dans la section, juste pour vous montrer que la section Query dans les posts permet de faire des filtres. Donc si vous créez des pages pour peut-être juste afficher toutes les catégories informatiques, il va falloir que vous appliquiez un filtre ici, d'accord, pour amener uniquement tous ceux qui sont dans la catégorie spécifique. Il peut avoir plusieurs catégories. Là, vous pouvez entrer autant de catégories que vous voulez. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Sinon aussi, on peut faire le filtre par date de création. Automatiquement, c'est par ordre décroissant de date de création qu'on affiche les éléments ici. Vous pouvez également modifier ça. Décider d'afficher tous ceux qui ont été créés aujourd'hui, la semaine dernière, le mois passé, qui ont été créés il y a cela un an,
et vous pouvez décider d'afficher ça de manière aléatoire. Donc, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez utiliser pour afficher vos articles. Plus votre blog a des articles, plus vous pouvez faire de filtres, d'accord? Comme si je m'en vais sur le blog du génie d'Afrique, vous allez voir que sur le blog du génie d'Afrique, on a plusieurs catégories sur ce blog. On a plusieurs catégories. Donc ici, par exemple, à la une, on a une catégorie à la une où tous les blogs qui vont se retrouver ici, sur cette section-ci, seront les blogs catégorie à la une. Tous ceux qui sont à ce niveau-ci seront les derniers articles, les 6 derniers articles. Tous ceux qui vont se retrouver dans technologie, ça serait tous les derniers articles dans technologie, mais on a fait ça random. Non, ça c'est random. Donc, ça va varier en fait. Ce n'est pas les derniers, ça va varier. Ça va vous permettre aux gens qui n'ont pas vu les derniers articles de revoir, qui n'ont pas vu des articles qui sont passés. Par exemple, regardez ça, c'est mars 2021. En principe, s'il fallait trier par ordre, par les articles les plus récents, on devait avoir les articles de novembre, décembre de 2021. D'accord? Donc, c'est à vous, en fait, de manager, en fait, vos blogs en fonction de ce que vous voulez afficher. Vous rentrez les paramètres ici. OK, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a pas mal d'éléments à voir, mais vous avez assez d'éléments pour vous lancer dans la création d'un site Internet aujourd'hui.